En fait, il y a comme un trou à l'intérieur de moi qui est là depuis l'enfance et que je cherche à combler avec différentes choses. Et que c'est vraiment pas la question de l'addiction à une substance ou à un comportement, c'est qu'il y a une transformation d'une substance vers une autre. Bonjour Jonathan Lehmann. Bonjour Laurent. Comment allez-vous ? Bah ça va très bien, et vous et toi ? Ouais, on va se tutoyer. Ok. Mmh. Jonathan, tes problèmes d'addiction ont commencé très jeune, tu en as pris conscience assez tôt, mais il a fallu beaucoup d'années pour comprendre leur origine et pouvoir les combattre. Tu dirais qu'ils sont nés quand dans ton histoire ? Dans l'enfance. Ouais, c'est-à-dire ? C'est ce que j'ai compris grâce à un travail thérapeutique et chamanique que j'ai eu la chance de faire ces dernières années. Mais ma première addiction, ça a sans doute été mon chiffon. Ouais, mon doudou. Mon doudou. Ouais. Et puis ensuite, c'était les sucreries, les dessins animés. Et puis une addiction s'est progressivement transformée en une autre jusqu'à ce que j'arrive aux drogues et à toutes sortes d'autres comportements compulsifs. Mais ça a vraiment commencé dans l'enfance. Mais ces éléments-là que tu décris dans l'enfance, c'est pas une addiction au sens strict du terme. C'est-à-dire que tu souffrais pas si tu avais pas ces éléments-là, si ? Ah si, ouais, tu je me souviens avoir perdu mon doudou ou mon chiffon sur l'autoroute, avoir fait une énorme crise. Mes parents ont fait marche arrière sur l'autoroute, ils m'en ont parlé encore pendant des années. Et c'est intéressant la question que tu me poses sur l'addiction au sens strict, parce que il me semble que tout dépend comment on définit addiction. Ouais. Il y a une définition que j'aime beaucoup, qui est celle de Gabor Maté, qui est un des grands spécialistes de l'addiction, qui dit c'est un comportement qui nous procure un bienfait sur le court terme, mais qui a des conséquences néfastes sur le long terme. Et quand tu rentres dans les substances, alors c'est quoi le parcours des substances finalement de Jonathan ? Ça commence avec le pétard. À quel âge ? À 14 ans. Il n'y avait pas le tabac avant ? Non, justement pas le tabac. J'ai résisté à ça au début en tout cas, parce que plus tard j'ai fumé beaucoup de cigarettes, mais... Je voulais pas fumer parce que c'était cool. Je me rendais compte que c'était un piège, en fait. Mais raconte-moi, alors, avec le pétard, c'est quoi ta découverte du pétard, la première fois, ce que ça te fait, et comment ça se passe après ? Au début, ça m'endort, surtout. Ouais. T'es avec des copains, des copines ? Ouais, c'était avec mon copain Julien et sa grande sœur. Ouais. On avait fait un petit squat. J'étais content d'être avec les grands. Je devais être, en quatrième. Et j'ai fumé un petit peu sur un joint et j'ai pas un souvenir que ça m'ait fait quelque chose de vraiment bon ou de vraiment fort, mais en tout cas je trouvais ça très cool. Ouais, c'était cool par identification alors. C'est ça, c'était cool, il y avait quelque chose de cool et d'ailleurs je pense que c'est un des problèmes qu'il y a avec le cannabis, c'est qu'il y a dans la culture populaire on essaye de montrer ça beaucoup comme quelque chose de cool. Ouais. Et donc j'ai passé quand même beaucoup d'années à croire que c'était quelque chose de cool. Et donc comment s'installe cette consommation de cannabis chez toi ? C'est-à-dire au départ tu fumais avec des gens et après est-ce que tu t'es mis à fumer seul ? Tu t'es mis à fumer dans certaines conditions ? Oui, au début c'était avec des gens et puis je pense que c'est peut-être à partir de 20 ans quand j'étais à la fac aux États-Unis et que c'était très difficile pour moi, je crois tous les soirs, je me faisais un pétard. Ouais, pour dormir, pour te tranquilliser, pour dormir. Ouais. Et c'était devenu un rituel et puis je commençais aussi à fumer en journée, le week-end. Ouais. Alors tu fais des pétards avec du tabac et de la résine, c'est ça ? Ou de l'herbe. Oui, c'est ça, avec du tabac et de la feuille de marijuana. De l'herbe, alors, ouais, d'accord. Ouais, de l'herbe. Et tu disais, ouais, j'ai commencé vraiment à fumer seul quand j'ai pensé à avoir eu des problèmes. C'était quoi les problèmes qui étaient présents ? Je me sentais pas très en connexion. J'étais assez seul quand j'avais 20 ans. Mmh. J'étais dans une université américaine. Où il y avait un climat vraiment élitiste, coupe-gorge. Ouais. Et je passais ma journée à travailler, j'étais enterré à la bibliothèque et c'était une sorte de soupape. Ouais. Une petite sas de décompression, on va dire. T'avais pas un noyau d'amis, de potes avec toi à la fac ? Quand je suis arrivé à la fac au début, à New York, non. Ouais. J'avais des amis à la fac en France. Ouais. Mais je suis parti, on était deux Français dans ma promo à Columbia, à New York. D'accord.
Et c'était, j'étais le plus jeune de la promo. C'était ma première expérience à l'étranger. Donc c'était pas évident de connecter. Moi j'avais 20 ans, je voulais faire la fête. J'avais pas compris que j'arrivais dans quelque chose de très sérieux où ça allait être difficile de connecter au début. Il y avait pas de fête du tout ? Pas vraiment, non. À la fac de droit de Columbia, c'est vraiment rigide. Bah ouais, non, c'est un des bastions de l'élitisme américain. Ouais. Tout est un concours, tout est une compétition. On partage pas ses notes. Quand j'ai proposé des notes à quelqu'un, comme on faisait à la fac à Nanterre avant d'arriver là-bas, ouais, on m'a regardé comme un fou. Et ce stress induit, tu penses que ça a joué dans tes consommations ? Oui, je pense que clairement dans toutes les addictions que j'ai eues, le stress ou comme le manque de sommeil, ouais, joue un rôle. Maintenant, ce que j'ai compris avec le travail que j'ai pu faire, c'est que en fait, il y a comme un trou à l'intérieur de moi qui est, ouais, là depuis l'enfance, ouais, et que je cherche à combler avec différentes. Et que c'est vraiment pas la question de l'addiction à une substance ou à un comportement, c'est qu'il y a une transformation de une substance vers une autre. Bien sûr. Et ton choix d'aller aux États-Unis, c'était pourquoi ? Mon père était américain, j'ai grandi en parlant anglais avec lui. Il y avait la mythologie familiale qu'il était sorti troisième de sa promo à Harvard dans les années 50. Ouais. J'avais envie de faire comme lui. Le challenge, quoi. Ouais. Et t'es plutôt, toi, dans le challenge ? Oh, j'ai toujours été l'esprit de compétition, ouais, faire des concours, ouais, oui. Et après ce cannabis-là, donc, qui est très présent et qui est un peu chez toi comme un espèce de tampon, quoi, une espèce de médicament, mmh, tu rencontres d'autres substances ? Oui, oui, bah, j'ai fait une sorte de j'ai eu un épisode dépressif assez important, donc ma première année de droit à New York, ouais, je décide de prendre une année sabbatique l'année d'après, ouais, et j'ai fait le tour du monde avec mon meilleur pote, ouais, et j'avais gagné de l'argent grâce à mes stages en cabinet d'avocat, ce qui m'a permis de faire ça, ouais, et dans le cadre de ce tour du monde, j'ai découvert la cocaïne, j'ai découvert les ecstasies, j'ai découvert les rêves parties, et ouais, ça a commencé à prendre une place assez importante dans ma vie, parce que j'étais vraiment aux prises de mon mental compulsif qui arrêtait pas de, ouais, me parler du passé, mmh, du futur, et, ouais, là je trouvais une échappatoire, un accès qui était factice mais qui était pourtant réel à l'instant présent. Et comment je te rappelle les premières fois avec ces drogues stimulantes, parce que tu as pris plutôt des drogues stimulantes, des amphétamines, de la cocaïne, tu te rappelles comment? Oui, je m'en rappelle. C'était quoi la première fois avec l'ecstasy, par exemple? L'ecstasy, c'était sur une plage en Thaïlande. Ouais. Je suis en prenant l'ecstasy la première fois, j'ai eu l'impression de tomber amoureux ouais, follement de la jeune femme suisse qui m'en a donné, et puis, mmh, je me suis mis à parler à tout le monde, à faire des sourires à tout le monde, et je me suis rendu compte que je pouvais parler à n'importe qui. Ouais. Et je pensais que c'était génial, le fait de cette drogue, et, ouais, et j'ai appris par la suite que non, c'était une question de confiance en soi, mais cette substance m'a montré le chemin quand même. Retrouvez la suite de cet épisode sur toutes les plateformes de podcast, cliquez sur le lien qui s'affiche et bonne écoute à vous.